M comme mission. À quoi tu sers ici? À amener un peu de marketing, même si j'aime pas trop le terme, mais de culture média, comme M, comme marketing, et essayer de partager mon expérience dans ces environnements interactifs et ces expériences digitales, et partager. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Donc E comme émergence, les narrations interactives, c'est encore émergent? Je pense que oui. Je pense que c'est complètement émergent. Je pense que c'est une nouvelle grammaire qu'on doit réinventer et qui est en train d'être réinventée par les artistes en premier lieu. Et que c'est complètement naissant et que chacun se l'approprie et se transforme ces nouvelles formes de narration. Et que chaque jour, c'est des nouvelles grammaires qui sont développées. Donc M comme narration, donc si tu me cites un exemple de narration interactive qui t'a dernièrement particulièrement marqué, ce serait N. comme narration. Alors je partirais dans un schéma complètement barré. Je sais même pas si, enfin, peu importe. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est toute la campagne publicitaire, enfin l'anti-campagne pour Nutella. Il y a eu toute une vague de communication pour assez classique pour vendre le produit. Et en marge de ça, il y a eu tout un mouvement sur bah, les aspects négatifs du produit. Et je l'ai vécu un peu comme une campagne, en fait, puisque cette campagne-là, on ne sait pas trop si elle part vraiment des communautés ou enfin, des consommateurs, ou est-ce que c'est complètement organisé pour que le message soit passé.